Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis Isabelle, la directrice du Grand Action, et c'est un infini plaisir de vous retrouver toujours aussi nombreux à l'occasion de notre 5e édition du Ciné-Club Univers Convergent au Grand Action. Et ça, c'est vraiment un exemple de pérennité et un exemple de succès. Vous savez, il en va de la vie des ciné-clubs, comme de la vie des festivals et comme de la vie de beaucoup de choses dans ce bas monde. Il y a des périodes de succès, et il y a des qui alternent avec des périodes d'insuccès, et il y a des modes, et puis tout va très vite. On en parlait avec Jean-Philippe tout à l'heure au Grand Bar. On se détourne d'une chose pour aller vers autre chose. Eh bien, il y a quand même quelque chose qui reste. C'est le succès du Ciné Club Univers Convergent au Grand Action. Et ceci... avec l'évolution de l'IHP et en particulier avec l'arrivée de la nouvelle directrice de l'Institut, Sylvie Benzoni. Alors là, on peut l'applaudir. Bonsoir. Donc c'est une grande première pour moi, effectivement. C'est assez impressionnant, comme vous pouvez vous en douter, de prendre la succession de Cédric Villani. Et ce ciné-club fait partie, je pense, des réussites de l'IHP ces dernières années. Donc 5e édition cette fois-ci, avec une salle comble. C'est un vrai régal. Et on commence aujourd'hui avec un sujet fascinant, difficile, je pense, parce que c'est finalement un grand mystère, comme le titre l'indique. Et c'est assez marrant parce que ça fait un petit peu écho aux questions qui m'interpellent en tant que mathématicienne. Il y a parfois des objets mathématiques dont on sait prouver l'existence sans pouvoir dire grand-chose dessus. Et donc la matière noire, j'imagine que c'est un petit peu ça aussi. J'espère qu'on ressortira de là avec une idée plus claire et on aura des experts pour nous expliquer les dessous de tout ça. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue et puis j'espère que vous allez apprécier cette séance. Je repasse la parole. Jean-Philippe, tu veux dire un mot peut-être ? Je veux dire un mot. Oui, il faut l'applaudir. Bon, je vais dire un mot parce qu'en fait, je suis très content que ça continue. Parce que c'est vrai qu'on s'était vraiment posé la question sous quel format. C'est quelque chose d'assez intéressant dans l'organisation de la vie publique française, c'est-à-dire que vous avez des gens qui occupent des fonctions et puis ils changent de fonction, il leur arrive des choses. Et la grande difficulté, c'est d'avoir une continuité des engagements qui ont été pris sur des durées qui dépassent le mandat des individus. Donc ça fait plaisir de voir que voilà, tout s'est transmis, qu'il y a une continuité et ça fait plaisir de voir ça. Donc je te remercie, puis je remercie à Quentin et puis bien sûr Isabelle, parce qu'on avait préparé ça en amont dès l'été dernier pour savoir quel type de film, quel format. Et voilà, ça me fait plaisir qu'on soit arrivé à ça finalement avec une certaine souplesse et que les choses durent après, parce que finalement c'est ça qu'on veut, c'est que ça continue. Qu'il y ait une pérennité, c'est une vraie culture scientifique que vous avez apportée au sein même de la programmation du Grand Action. Et ça, je vous en suis vraiment infiniment reconnaissante, Quentin, Jean-Philippe et Sylvie, comme je le disais, effectivement, lors de cette première réunion, j'ai senti qu'avec vous, on allait pouvoir continuer ce merveilleux travail. Et c'est vraiment, vous êtes exactement l'interlocutrice que nous attendions, dont nous rêvions. Merci à tous les trois pour ces mots. C'est vrai que le Ciné Club, c'est une aventure qui continue, et donc c'est bien. Il continue surtout grâce à vous, parce que vous êtes là. Et c'est ça qui permet toujours de relancer de nouvelles séances, le public qui est là. Alors, le film de ce soir, on s'en va loin dans l'univers avec le mystère de la matière noire. Alors, nous commençons ce cycle, c'est un film un peu particulier puisqu'il ne s'agit pas d'un film qui a été fait pour le cinéma. Alors bon, sacrilège ou pas, comme on veut, on passe dans une salle de cinéma, un film qui a été fait pour la télévision. Cela dit, je n'ai pas trouvé, à ma connaissance, de film de long métrage qui nous parle de ce sujet de la matière noire. Et il me semblait important de l'aborder ici parce que c'est un thème, comme vous le verrez, qui est... C'est un thème qui vraiment relie les mathématiques, la physique théorique, la cosmologie sur laquelle travaille Jean-Philippe et qui est vraiment à la frontière vraiment de la recherche actuelle. Ce film, il a été réalisé par Cécile Dangean qui va nous rejoindre en cours de projection et qui sera là pour en débattre avec vous. Vous pourrez lui poser les questions que vous voulez. C'était son deuxième film.
C'est une réalisatrice de films de science très prolifique, elle en fait à peu près un par an. Son premier, c'était L'homme presque parfait sur la question des cyborgs, en fait, hein, quand on mélange les humains avec des produits, on leur met des puces dans le cerveau, L'homme augmenté, voilà. Ça, c'est dans son deuxième film. Son troisième film, c'était le ventre, notre deuxième cerveau, qui a eu pas mal de succès sur Arte. Et ensuite, elle a fait une série de films sur le cerveau. Voilà, donc vraiment une réalisatrice du monde du film de science et qui connaît aussi, malheureusement, les contraintes de la télévision et dont on pourra aussi parler après éventuellement. Et nous avons ce soir une marraine. Et en fait, si nous sommes là ce soir, c'est vraiment grâce à elle. Elle nous rejoindra en cours de séance également. Donc Nathalie Palangue de la Brouille, elle est chercheuse au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, il faut le dire maintenant aussi. C'est ça. Elle est à l'Institut de recherche sur les sciences fondamentales de l'univers et sa spécialité, c'est la matière noire et aussi l'énergie noire, mais ce soir on parlera de la matière noire. Et je l'ai vue en fait au festival de Fleurance, qui est un festival d'astronomie dans le Gers, un festival où je vous conseille d'aller, c'est une semaine de science et d'observation des étoiles. Et elle a donné une conférence sur la matière noire et j'ai été complètement bluffé par sa présentation. D'autant plus que j'avais vu le film que vous allez voir ce soir, qui a été tourné il y a 5 ans, et vous allez voir qu'en 5 ans, la science va très vite. Et donc vous avez des choses dans le film qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, et je trouve ça extrêmement intéressant d'en parler justement avec elle. Donc c'est une conférencière hors pair, elle est extrêmement sympathique, et vous allez voir, on a bien travaillé aussi la présentation, puisque la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que pour marquer le coup du changement de formule, on va changer un tout petit peu le déroulé du débat. Donc il y aura toujours le moment libre entre les scientifiques, juste après le film, ils donneront leur avis. Mais ensuite, il me semblait important de rappeler que l'Institut Henri Poincaré, qui organise le Ciné-Club, est un institut de mathématiques et de physique théorique, et que la science, nous ici on en parle en lien avec la société, sur les questions éthiques, sur les questions de notre rapport à l'univers, mais il y a quand même des maths derrière tout ça. Et à un moment donné, il faut s'y mettre. Et donc j'ai demandé à chaque parrain, cette année, de sélectionner une équation, qui est l'équation avec laquelle soit il travaille tous les jours, soit qu'il leur a présenter quelque chose du monde ou de l'univers sous un autre angle. Et donc, elle a 5 minutes, Nathalie, pour vous présenter son équation. Je la laisserai présenter. Donc, on retiendra notre souffle. Hop, 5 minutes. Et on va voir des équations, des courbes. On vous a présenté ça sur l'écran. J'espère que ça vous plaira. En fait, pour pouvoir avoir une place à la séance d'après, il faut répondre à la question. écoutez, il me reste juste à remercier nos partenaires qui rendent ce ciné-club possible. Donc évidemment, les deux tutelles de l'Institut Henri Poincaré, qui sont le CNRS et alors Sorbonne Université, puisque anciennement Université Pierre et Marie Curie, qui a changé de nom pour fusionner. Donc ce sont nos deux tutelles qui financent ce ciné-club, donc on les remercie énormément. On remercie évidemment le Grand Action, Isabelle, et toi et ton équipe et ta formidable équipe qui nous accueille toujours aussi bien et qui est toujours aussi au point techniquement. Et ça, c'est précieux parce que quand on veut passer des films un peu compliqués à trouver, on peut le faire ici et pas ailleurs. Donc, je t'en remercie vraiment. Et puis, c'est un plaisir de travailler avec toi. Voilà. Plaisir. Plaisir ou combien partagé, mon cher Quentin. Notre nouveau partenaire presse, qui est Science et Avenir cette année, qui prend le pas pour la science, qui était notre partenaire, qui nous a accompagnés jusqu'à maintenant. La librairie Scylla, par la jolie visage d'Anaïs, qui est là, qui continuera à nous présenter cette magnifique ouverture littéraire de science-fiction avec 3 petits livres que vous pourrez découvrir à la fin et qu'elle vend à la suite. Et j'espère que j'en ai pas oublié. Non, 1, 2, 3, c'est bon, on est bon. Je remercie évidemment l'équipe de l'IHP, Vaël qui est à la captation et qui nous assiste à la programmation, on peut l'applaudir, parce qu'il travaille dans l'ombre. Et puis toi évidemment Jean-Philippe pour avoir tenu Ciné Club pendant 4 ans et d'avoir décidé de le lancer. Alors là, voilà. Super. Oui, eh ben on verra à la fin. On verra à la fin. Oui, parce que ça, c'est pas fait. C'est pas voilà, non, c'est pas fait. Hein. Bon, eh bien, bonne projection. Et on se retrouve juste après pour le débat et l'équation. Merci à vous.
Le sable, l'eau, le soleil, l'univers entier est fait d'atomes. Même les enfants sont faits d'atomes. C'est ce que vous croyez, et c'est certainement ce que vous avez appris à l'école. On enseigne à l'école que l'univers entier est fait d'atomes, mais ce n'est que le début de l'histoire. Il y a un univers beaucoup plus grand qui reste à explorer et qui est fait de matières complètement différentes, de choses que nous n'avons jamais rencontrées jusqu'ici, et nous allons découvrir ce que c'est. Aujourd'hui, la science bute sur un mystère qui remet en cause nos certitudes. Il y a désormais autre chose dans le cosmos, une réalité que nous commençons tout juste à entrevoir. La majeure partie de l'univers est faite de quelque chose que nous ne comprenons pas. 95% de l'univers reste à explorer. En réalité, les atomes ne constitueraient que 5% de la matière de l'univers. Le reste nous est totalement inconnu. On sait ce que ça n'est pas, mais on ne sait pas ce que c'est. La matière noire n'est pas surnaturelle, même si son comportement mystérieux peut le laisser penser. Certains l'appellent la matière fantôme. Cette matière invisible est autour de nous, mais elle n'interagit pas du tout avec nous. C'est comme si elle avait son existence parallèle. Dans le monde entier, les scientifiques se sont lancés dans une course folle, traquant la matière noire dans le ciel, mais aussi sous la Terre et dans l'espace. Mais pour l'instant, plus les instruments de recherche et les expériences sont perfectionnés, plus ils révèlent l'ampleur de notre ignorance. Qu'est-ce que la matière noire ? Je ne sais pas. Si je le savais. C'est la matière qui remplit mes rêves et m'empêche de dormir la nuit. Nous sommes au début d'une immense révolution scientifique, à l'échelle de la révolution copernicienne. Trouver une particule de matière noire serait fantastique. Cela résoudrait la plus grande des questions de la science. De quoi est fait l'univers ? On peut applaudir Nathalie Palanque, s'il vous plaît, qui nous a rejoint. Qui sera notre marraine ce soir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mais elle n'était pas là, c'est vraiment suite à sa conférence au Festival de Florence que j'ai eu l'idée de faire cette soirée. Parce qu'elle a présenté la matière noire sous un jour que je ne connaissais absolument pas. Il y en a de la chaude, de la froide, voilà, elle va nous expliquer tout ça. Et puis Cécile Dangean, qu'on applaudit évidemment, qui est la réalisatrice du film. Voilà, je vais vous laisser discuter sur le film. J'avais juste une petite question pour commencer pour toi, Nathalie. Visiblement, il y a des gens qui ont des petits problèmes pour dormir la nuit avec la matière noire. Donc, comment sont tes nuits ? Très noires. Non, mais pour bon, moi, ça, j'ai déjà vu ce film à plusieurs occasions et c'est toujours un grand plaisir de le revoir. Et je suis vraiment étonnée de voir que plusieurs années après la confection du film, il y a encore des... La grande majorité des points qui sont abordés sont toujours d'actualité. Plusieurs des expériences dont on parle n'ont pas encore vu le jour, en particulier l'expérience Euclide. D'autres expériences qui étaient en gestation, pas tout à fait en gestation, qui avaient commencé à prendre des données, comme les deux expériences au LHC dans cet immense accélérateur de particules à Genève, où ils espéraient voir les premières interactions preuves de matière noire, ils espèrent toujours voir les premières interactions preuves de matière noire. Je crains maintenant effectivement que ça soit mal parti, mais le film est toujours autant d'actualité et on n'a clairement pas résolu le mystère de la matière noire. Bon, je peux dire des choses. Alors, c'est très courageux de faire un film là-dessus, d'accord ? Non, c'est très courageux. Alors, bon, moi, j'ai beaucoup rigolé parce que la plupart des gens, j'ai travaillé avec eux. Donc, ce qui est très drôle, c'est que David Spergel fait du David Spergel, que Étienne fait du Étienne, et tout ça. Et donc, ça, on rigole beaucoup. Donc, merci. Parce que, et puis surtout, on voit que
Tu as tourné en quelle année ce film? Ça devait être 2000, quelque chose vers 10. Voilà, c'est ça. Ouais, on a tous vieilli, c'est horrible. Mais bon. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on fait de la science sous l'observation médiatique. Et que c'est très difficile. Et que beaucoup de choses qu'on raconte, beaucoup de façons dont on en parle, en fait, on n'a pas nous-mêmes digéré le phénomène pour en parler. Et en fait, il y a un moment, j'écoutais affirmation par affirmation, et je me disais à chaque fois, en fait, on pourrait remettre ça en cause, mais c'est pas grave. C'est quoi? C'est pas que c'est pas grave. C'est parce que le langage n'est pas fait lui-même. Et on voit très bien Étienne, qui pourtant, lui, est philosophe, contrairement à moi, il a beaucoup du mal à s'exprimer. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de mystère, et il n'y a pas de choses bizarres, c'est de la science comme on en a l'habitude. Rappelez-vous, au XVIIIe siècle, on connaît la gravitation, on connaît les particules, on connaît rien de l'électromagnétisme. Pourtant, vous prenez une boussole, elle va montrer le nord. Donc il y a quelque chose qui agit sur la boussole qu'on ne voit pas, on ne sait pas ce que c'est. Il y a un monsieur, un des plus grands génies de la science, qui s'appelle Michael Faraday, qui invente la notion de champ. Il dit en chaque point, il y a une valeur d'un champ magnétique, d'un champ électrique. Alors il a des raisons, pour ça il y a d'autres expériences qui lui amènent à postuler ça, mais on ne le voit pas ce champ. Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'action de ce champ sur une boussole. C'est tout ce qu'on voit. Et il postule l'existence de cette chose et il vous dit en fait, il existe quelque chose de supplémentaire dans la nature. Et puis là-dessus, il va parler, parce que alors Faraday c'était un génie, mais il n'était pas mathématicien, donc il ne savait pas formaliser ses idées en mathématiques. Celui qui va reprendre cette idée, c'est Maxwell, et Maxwell va écrire à partir de sa théorie de l'électromagnétisme. Il va comprendre ce que c'est qu'un champ magnétique, pourquoi la boussole bouge, il va comprendre qu'une particule chargée va être déviée. Et donc, en partant d'un phénomène qu'il voyait, il y avait l'impression qu'il y avait quelque chose d'invisible qui était là, il l'a rendu visible, c'est-à-dire qu'il a donné une théorie physique, il est parti d'une observation pour faire une hypothèse, et ces hypothèses ont permis de faire une théorie. Et si vous regardez l'histoire des sciences, c'est toujours comme ça. La science part toujours du réel, des choses que l'on voit, et ces choses-là, ce sont les actions. Alors vous voyez qu'après, il y a toute une discussion sur la réalité, dont Étienne, j'ai un moment, j'étais perdu, et il faudrait se dire, c'est quoi la réalité? Souvent, je me suis posé, c'est quoi la réalité? Alors les philosophes ont plein de définitions, ils ne sont pas d'accord. Pour un physicien, la définition est très simple et très pragmatique. La réalité, c'est tout sur quoi on peut agir. Si vous pouvez faire une action, si vous pouvez questionner votre système, s'il répond, alors vous pouvez l'étudier. Si vous pouvez l'étudier, vous pouvez chercher des régularités, vous pouvez essayer éventuellement de le mathématiser, de faire une théorie, et une fois que vous avez cette théorie, de vérifier si c'est une bonne théorie. En général, elle prédit plus que le point dont on est parti, tu le sais très bien avec la relativité générale, Quentin, sur le film. Et donc d'avoir des nouveaux phénomènes que l'on va pouvoir mettre à l'épreuve jusqu'au moment où cette théorie, qui comme toutes les théories a un domaine de validité, va être mise en défaut, peut-être parce qu'elle va devenir incompatible avec un nouveau phénomène ou avec une autre théorie, et qu'on va devoir les unifier. Donc on a eu le cas par exemple pour la mécanique quantique dont on cite, qu'on cite dans le film dans les années 20. Donc en fait, ce qui est en train de se passer là n'est rien de mystérieux dans la façon dont on fait de la science. C'est juste que c'est condensé en quelques dizaines d'années parce que les communautés de gens qui travaillent sur ce phénomène sont beaucoup plus grands. C'est aussi plus dramatique parce qu'on parle de l'univers et qu'on a l'impression qu'on parle de votre existence. Dès qu'on dit Big Bang, clairement, vous avez tous les budgets que vous voulez. Et alors là, je peux le dire ici parce que je me suis engueulé avec mes amis de physique des particules. On ne reproduit pas le Big Bang dans le LHC, d'accord? Ça, c'est un truc, c'est un mensonge, d'accord? J'ai essayé d'expliquer beaucoup qu'il y avait une différence entre des particules qui se diluaient dans un espace et un espace qui se dilue lui-même. Donc c'est des choses qui sont radicalement différentes. Mais alors ça, c'est une idée très intéressante qui pourrait faire l'objet d'un film, savoir pourquoi on est arrivé à cette affirmation et pourquoi même les scientifiques la répètent parfois en sachant qu'elle est fausse. Alors là, c'est de la sociologie. Et en fait, ton film est très intéressant de ce point de vue qui est le point de vue sociologique. Et moi, je l'ai plutôt vu comme ça en disant quelle est cette communauté qui se retrouve sur cette question. Et ça, c'est le deuxième point de la science. L'idée, l'affaire, va devenir une idée qui intéresse les scientifiques à partir du moment où on va pouvoir réussir à utiliser des mots pour en parler et la mettre à l'épreuve, faire des expériences et avoir des théories. Et là, c'est très beau dans cette aventure sur la compréhension de cette matière qui structure l'univers, c'est qu'on a un certain nombre d'indications qui viennent toutes de l'astronomie et de la cosmologie. Le premier était quand même Franz Wicki, c'était en 1933. Donc déjà avant Vera Rubin, il y a eu quelque chose. Alors on vous a beaucoup parlé de prix Nobel. Il y a quand même un scandale.
c'est que Vera Rubin n'ait pas eu le prix Nobel. D'accord, cette dame est morte en 2016 à l'âge de 88 ans. C'est une astronome qui a changé notre façon de faire de l'astronomie. Et sa découverte est aussi importante, que même peut-être plus importante, parce que je pense qu'elle est même plus robuste, que celle que Saul Perlmutter a faite et qui lui a valu le prix Nobel en 2011. Et maintenant, malheureusement, elle est morte en 2016 et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas réparer. Mais c'était une des grandes femmes de la science et de l'astronomie. Et en fait, ce qu'elle a révélé, c'est qu'il y avait une incompatibilité entre deux choses que l'on croyait être correctes. Et si vous avez incompatibilité, eh bien, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez trouver un nouveau langage, un nouveau phénomène pour pouvoir réconcilier. Mais vous savez que on connaît la gravitation, on connaissait la loi de Newton, on sait qu'elle est testée à une très grande précision sur Terre. Depuis, on avait la relativité générale, qui est la théorie la mieux testée de toutes les théories de la physique. On en a encore eu des preuves il y a quelques mois avec les coalescences d'étoiles à neutrons et ainsi de suite. Et donc, on a du mal à changer la gravitation. Je pense que ce n'est pas parce qu'on n'osait pas toucher au portrait de Newton, c'est que c'est la chose la plus difficile, la théorie la plus difficile à modifier. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, on s'est dit, le plus simple, on fait toujours les hypothèses les plus simples, on va essayer d'avoir une description qui est très rudimentaire. On va mettre des particules qui ont une masse et on va voir si simplement cette chose-là marche. Et en fait, ça marche, mais peut-être trop bien. Parce qu'on vous a parlé des courbes de rotation de galaxies, donc la dynamique des galaxies. Il y avait avant les amas de galaxies par Franz Wicki dans les années 30. Il y avait les anisotropies du fond diffus cosmologique dont vous parle David Spergel. Il y avait la structuration de l'univers qui est reliée à ça. Et en fait, avec la même hypothèse, on arrive à expliquer ces quatre phénomènes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les gens avaient des indications particulières pour l'énergie sombre déjà des années 70 à partir de la formation des grandes structures. Et là encore, c'est un phénomène sociologique. Les preuves étaient là. Les gens comme Evstafiou et tout ça, il y avait des articles qui, dans les années 80, disaient « on a besoin de cette fameuse énergie sombre ». J'aime pas le mot, mais c'est pas très grave. Si, c'est grave, je sais, mais je me suis disputé avec plein de gens, c'est pas grave. On le savait dès les années 80, et là, c'est un basculement sociologique, c'est que la communauté se met à croire dans ce truc-là avec les données de supernova. Mais avant, eh bien, on dit, oui, on comprend pas suffisamment les simulations numériques, c'est compliqué. Et pourtant, les preuves étaient déjà là dans les années 80. Donc c'est assez intéressant sur les deux thèmes qui sont l'énergie sombre et la matière noire, de voir comment il y a eu un basculement sociologique de la communauté. Ils ne se sont pas faits au même moment, ils ne se sont pas faits pour les mêmes raisons. Voilà. Et je rajoute un dernier point, après je vous laisse tous parler, comme ça c'est bon. C'est qu'à la fin, on vous dit, alors on a mis cette matière et puis il va falloir changer la gravitation. D'accord ? Bon. Alors moi j'ai fait de la relativité pendant des années, il est clair que ça je ne le laisse pas passer comme ça. Et tout ce que je dis là, hein, je l'ai dit dans des conférences, c'est des choses que j'affirme. Alors premièrement, c'est vrai qu'on vous dit c'est soit de la matière, soit on change la force de gravitation. On a l'impression qu'il y a deux voies très différentes. Alors ça, simplement de le présenter comme ça, c'est d'avoir une vision newtonienne du monde. C'est comme si vous viviez encore au 19e siècle, parce que je vous ai parlé des champs de Faraday. Ce que l'on a compris au 20e siècle, avec les théories qu'on appelle les théories des champs, théories quantiques des champs, c'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre une force et une particule. Ce sont en fait des représentations. Les deux sont ce qu'on appelle des champs, et on a des théories qu'on appelle les théories des champs, la physique des particules, la relativité générale, qui décrivent l'évolution dans ces champs, quelles sont leurs natures, comment ils sont couplés. Et parfois, ils sont responsables pour une force, parfois ils sont de la matière. Le photon, c'est bien le champ qui décrit le photon, la particule de lumière, et le même champ qui décrit l'interaction électromagnétique. Donc en fait, séparer matière et force, c'est penser comme au 19e siècle. Voilà. Donc ça, j'insiste, parce qu'on est quand même au 21e siècle, et depuis le 20e siècle, on sait qu'on ne peut plus faire cette distinction, donc ça, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il y avait dans la réalité à l'époque de Newton, des particules et des forces? À l'époque de Faraday, on a rajouté des champs, et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a que des champs. Voilà. Donc il faut comprendre comment ce qu'on appelle la notion de particule découle de ces notions-là, mais ça, on le sait le faire, on l'a très très bien compris. Et donc, en fait, la vraie question, c'est pas de savoir si on modifie la gravitation ou si on rajoute des particules, elle est beaucoup plus profonde. On est obligé de rajouter un champ. Question, quelle est sa nature? Est-ce qu'il a plutôt tendance à se comporter dans ce que nous appellerions une force ou dans ce que nous appelons une particule? Alors, comme ça s'appelle de la matière noire, il y a une raison pour laquelle on a mis le mot matière et pas autre chose, c'est que quand on voulait rendre compte des observations astronomiques, eh bien, c'était vraiment comme une particule de massive dont on avait besoin. Et quelle que soit l'explication, même si c'est une modification que vous pourriez voir comme une sorte de modification de la loi de Newton, par exemple, eh bien, il va falloir expliquer pourquoi, dans ces contextes-là, ça se comporte presque comme une particule. Et c'est ça qui est difficile. Donc, en fait, on voit dans ce condensé-là
que c'est une aventure qui date depuis les années 30. Il a fallu vraiment ramer pour que les gens se mettent à y croire. Ça a commencé dans les années 60-70 à prendre l'hypothèse au sérieux. Et que la science, c'est aussi une chose sociologique. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens. Vous imaginez bien que vous n'allez pas faire des expériences comme l'expérience Euclide ou comme les expériences de détection directe de matière noire, vous avez vu dans les tunnels ou en Tarès ou ce genre de choses. Si vous n'allez pas convaincre les gens que quelque part ce que vous cherchez a une chance d'aboutir. Et donc on est dans tout, avec ce sujet-là, on est vraiment exactement dans toute la problématique de la science, partir de phénomènes observés, essayer de formuler des hypothèses que l'on va pouvoir mettre à l'épreuve, savoir comment on les met à l'épreuve, comment est-ce qu'on convainc la communauté, comment est-ce qu'on convainc les gens qui financent, et surtout comment est-ce qu'on convainc vous que l'on raconte pas n'importe quoi parce qu'on n'a pas les mots pour parler des choses que nous on sait être, dont on donne une réalité d'un point de vue mathématique. Et c'est ça la grande difficulté, et je crois que là on a encore besoin de travailler, c'est-à-dire qu'on utilise ces mots de force, ces mots de matière, de noir. Le noir n'est d'ailleurs pas une bonne expression pour ça, parce que c'est comme il le dit, c'est surtout invisible, ce n'est pas sensible à la matière. L'image déformée d'une galaxie nous indique qu'il y a de la matière noire devant elle, et c'est la preuve qu'il existe quelque chose d'invisible et de très lourd. Et donc comment on fait, nous scientifiques, au jour le jour, pour utiliser des mots et vous faire comprendre des concepts qui finalement ne sont définis correctement que dans des cadres bien spécifiques, pour vous les approprier et que quelque part on puisse passer de ces phénomènes avant de les avoir complètement compris. Et ça, c'est un petit peu le but de la vulgarisation, c'est ce qu'on essaye aussi de faire, donner des intuitions, avec le double tranchant, c'est que on peut comprendre, mais en fait on est obligatoirement dans une description qui est une description un petit peu fausse, un peu tordue, parce qu'on n'a pas les bons mots pour décrire la chose. Donc voilà, donc c'est un peu... Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut voir, une lecture, et donc il y a vraiment cette lecture à la fois sociologique, histoire des sciences, et le problème c'est qu'on fait ça sous influence. Je ne peux pas vous dire combien de fois par mois on me téléphone pour me demander s'il y a des nouveautés sur la matière noire, j'imagine pour toi aussi, ou voilà, on veut faire un papier sur l'énergie sombre, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, d'accord, et on vous a appelé deux semaines avant, et en fait il n'y a rien de nouveau, d'accord, il n'y a rien de nouveau, et il y a une chose qu'il va falloir apprendre, c'est, je sais qu'on a perdu, le sens du temps, la recherche, ça prend du temps. C'est lent, il faut se tromper, il faut faire des erreurs, il faut comprendre ce que nous-mêmes on écrit, parce que souvent on écrit des choses, on n'a même pas compris ce qu'on est en train de décrire, et ça nous prend du temps pour comprendre qu'on n'a pas compris et que c'est pas le bon formalisme et que c'est pas la bonne façon de poser la question. La grande difficulté, je veux dire, la grosse partie du travail de chercheur, c'est de formuler la bonne question, trouver les bons outils, et finalement après arriver à les partager avec... Et ça prend des dizaines d'années, parfois on l'a vu avec Einstein, on a vu 10 ans de l'idée jusqu'au produit final. Et ça, c'était quand même assez rapide pour une théorie scientifique. Et peut-être qu'il faut se rappeler ça, c'est-à-dire ne pas toujours vouloir attendre que la science vous donne des résultats dans les années qui viennent. Et comme on est filmé, j'en profite pour dire que malheureusement, aujourd'hui, le financement de la recherche ne fonctionne pas comme ça, puisqu'on veut que la science soit appliquée. Voilà. Merci Jean-Philippe. Effectivement, juste pour resituer, avec Jean-Philippe, on a travaillé ensemble sur un film sur la relativité générale d'Einstein. Donc vous imaginez les discussions en salle de montage avec Jean-Philippe comme co-auteur. Tu ne peux pas mettre ça parce que ça n'est pas juste. Voilà. Cécile, peut-être un petit mot sur le défi. En quelques minutes, Jean-Philippe vient de récapituler quand même une année de difficulté en ce qui me concerne, parce qu'effectivement, qui dans cette salle a une bonne formation en physique ? Pas trop, hein. Donc en fait, ça c'est un film qui a été produit pour Arte, donc il s'adresse à tout le monde. Donc certes c'est Arte Science, etc., mais ça s'adresse à tout le monde. Et franchement, moi, je suis un petit peu l'étalon de tout le monde, et pour moi, la matière, c'est la matière, et l'énergie, c'est... voilà. Après, je sais, bien sûr, oui, voilà, il paraît que c'est la même chose, etc., mais en fait, dans ce que je vis, dans mon expérience, quand j'ai chaud, ben voilà, je sens de la chaleur. Je sens pas forcément, maintenant, depuis ce film, quand je suis au soleil, je sens des petites particules qui me font un coup de soleil. Parce qu'en fait, il y a vraiment des particules qui nous piquent la peau et qui font des coups de soleil. C'est un truc que j'ai découvert dans ce film. Enfin, ce film est complètement délirant pour moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... c'est très vrai qu'il y a effectivement une sociologie, je suis assez d'accord avec ce regard-là. Pour moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ces gens-là, là, que vous avez vus, ils
pétille d'intelligence, de curiosité, de générosité. Ils passent leur vie à trouver des trucs mais complètement délirants. Enfin, je sais pas, vous regardez vous le ciel des fois, voilà, à partir de quatre points plus ou moins blancs qui sont là, vous avez vu tout ce qu'ils sont capables d'échafauder, et ça c'est collectif. C'est collectif et ça dure depuis quand même depuis que la civilisation existe, quoi, depuis que l'être humain existe. On se raconte des trucs et ces trucs sont totalement étonnants. Enfin, moi, j'ai été complètement bluffée. Et là, j'ai pas revu ce film depuis assez longtemps. J'étais là derrière, je me disais, waouh, mais c'est quand même dingue. C'est-à-dire que, alors, je sais pas, évidemment, je pense que vous avez chacun pu capter des petites choses, effectivement. Le film se termine en disant, voilà, on est sur l'écume des choses. Mais je pense que quand on regarde ce film, on a des petits bouts où on se dit, ah ouais, c'est ça, on mesure peut-être la profondeur. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans cette année, un petit peu plus d'un an, à côtoyer des scientifiques comme vous deux, c'est, je trouve qu'il y a à la fois une espèce d'humilité totale, de dire, bah, finalement, plus j'apprends que je ne sais rien. C'est-à-dire que il y avait un scientifique qui avait dit une fois... En fait, la connaissance, c'est comme une bulle. Et donc, plus on souffle dans la bulle, évidemment, à l'intérieur de la bulle, il y a plus de connaissances. Mais si toute l'ignorance, c'est la surface de la bulle, en fait, plus la connaissance est grande, plus la surface, donc l'ignorance, grandit en même temps que la connaissance. Et ce qui m'a donné l'idée, d'ailleurs, de faire ces bulles de savon, parce que j'étais un peu désespérée pour mettre en scène cet invisible. Mais... Finalement, voilà, pour rejoindre votre point de vue peut-être un peu politique, à l'heure où voilà, aujourd'hui on a les EHPAD en grève, on a les prisons en grève, on a tout le service public qui se débine, ça fait du bien de se dire que nous, collectivement, avec nos impôts, on est capable de payer des scientifiques comme ça. Alors bon, c'est pas tous des privés, enfin c'est pas tous des publics, il y a du privé, etc. Mais il y a quelque chose, il y a une dimension profondément humaine et poétique dans ce travail, et je vous en remercie. Il y a deux autres aspects du film que j'aime beaucoup et que je voudrais relever ici. C'est tout d'abord le fait que pour une problématique, on l'aborde sous plein de facettes différentes. Et donc, cette question de la matière noire, alors c'est tout d'abord évidemment un contraste, comme le disait Étienne Klein, entre la réalité et ce que l'on espère que notre théorie peut expliquer. Parfois, il faut 2000 ans, plus de 2000 ans, pour savoir si une entité à laquelle on a pensé existe réellement dans la nature. S'il s'avérait que nous n'avons aucune trace expérimentale de leur réalité, il faudra mettre le doute, cette fois, non pas sur la réalité, mais sur la théorie qui prétend la décrire. Et donc, élaborer une nouvelle théorie des révélations. Donc il y a évidemment tout un aspect d'observation qui est à la base de toute cette problématique, mais ensuite on l'aborde sous plein d'angles différents. On peut essayer de découvrir les particules de matière noire comme le font les physiciens des particules, et donc d'aller créer des collisions dans lesquelles on espère provoquer la naissance de ces particules de matière noire. On peut également tenter de détecter non pas les particules elles-mêmes, mais les produits qu'elles vont devoir engendrer, et donc on fait de nouvelles observations astrophysiques dans lesquelles on espère pouvoir mettre en évidence une grande quantité de matière noire qui viendrait produire de nouvelles particules, en particulier des photons de haute énergie ou des neutrinos qu'on détecterait d'une certaine façon. Donc c'est une autre façon d'aller rechercher ces particules de la matière noire par les conséquences qu'elles doivent provoquer dans certaines régions de l'univers. Et on peut encore essayer, cette fois-ci, de s'attaquer sur le plan théorique, c'est-à-dire de fabriquer un univers avec des simulations de très très grande ampleur où on injecte, là, on maîtrise tout, puisque c'est nous qui le fabriquons, ou à peu près tout. Et donc on essaie de fabriquer un univers et on voit ce qui se passe si on
on essaye de s'affranchir de cette matière noire et on se rend compte qu'on n'arrive pas à reproduire l'univers tel qu'on l'observe. Et donc vous voyez que pour un même problème, il y a vraiment différentes façons d'aborder la question, et ce ne sont pas des questions qu'on aborde comme ça, un jour je vais aller faire une simulation, le lendemain je vais aller regarder le ciel. Ça prend des équipes spectaculaires de très très grande envergure, ça prend également beaucoup de temps faire des simulations numériques. Il faut des dizaines d'années pour aller développer ces codes. Ensuite, les codes eux-mêmes sont énormes et nécessitent des milliers de cœurs dans les supercalculateurs pour pouvoir être exécutés. Parfois, ce sont des codes qui tournent pendant des millions d'heures. Alors, rassurez-vous, quand on dit des millions d'heures, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre un million d'heures avant d'avoir le résultat de votre code, mais ça veut dire qu'on va devoir tourner sur 10 000 cœurs en parallèle et donc attendre néanmoins plusieurs jours, parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois avant de revoir le résultat de ces simulations numériques. Et quant aux expériences qui cherchent à détecter des particules ou à créer des particules de la matière noire, là de nouveau, ce sont des expériences qu'il faut concevoir, construire et ensuite faire tourner pendant encore des années, des dizaines d'années en général. On va renouveler le processus, c'est-à-dire mettre de nouveaux détecteurs, attendre encore un an et au bout d'un an, recalculer les bruits de fond et à nouveau ouvrir la boîte. Donc vous avez vraiment ici les différentes approches que l'on est obligé de mettre en œuvre pour comprendre ou en tout cas pour attaquer un problème de toutes les façons que l'on peut. Et je trouve que ce film les met vraiment très très bien en avant et c'est particulièrement réussi d'avoir su montrer les différentes façons d'aborder une même question. Et donc juste encore sur le côté sociologique, donc il y a non seulement cet esprit de collaboration et autres, mais ce que j'aime bien également, alors c'est fait de façon exagéré dans le film, mais bon, si on ne le fait pas de façon exagérée, à la limite, on ne le constaterait peut-être pas. Mais ces conflits entre personnes, ce ne sont pas des conflits, ce sont plutôt des duels de la motivation, de l'émulation, de l'émulation les uns par rapport aux autres. Nous avons le meilleur détecteur de matière noire. Parce que nous pouvons avoir un très grand volume, nous avons besoin d'un très grand nombre d'atomes parce que l'événement que nous recherchons est rare. J'ai toujours voulu être la première. Pourquoi laisser cette découverte à quelqu'un d'autre? Mais effectivement, je pense qu'aucun des grands, grands résultats que l'on met en avant aujourd'hui n'aura été détecté par un seul groupe ou une seule personne. À chaque fois, on essaye d'avoir une confrontation d'expériences et une confirmation d'un résultat par une autre équipe indépendante. Parce qu'il faut dire que les sujets qui sont ici abordés sont d'une telle importance qu'il ne suffit pas que quelqu'un dise « Ah, ça y est, j'ai trouvé ». On dira « Ok, ben, on va le tester quand même ». Et d'autres expériences, d'autres personnes vont devoir obtenir ce même résultat pour qu'on puisse enfin valider un résultat scientifique. Et donc ce sont vraiment des expériences à l'échelle planétaire pour qu'on arrive à avoir des avancées petit à petit, des découvertes comme on l'a vu dans ce film également, mais qui à chaque fois sont abordées par différentes équipes et de différentes manières. Non, c'est tout à fait vrai. Il y avait juste un truc, mais quand j'ai oublié, je ne sais plus. Non, c'était à propos de... Qu'est-ce que tu avais dit juste avant? Ah oui. Bon, ce n'est pas grave. Non, il y avait deux choses. Déjà, il y avait cette histoire sur la connaissance, et je pense que c'est une chose qui est fondamentale, cette histoire de la connaissance qui grandit. Alors, tu parles de développement durable à un moment dans le film, je ne sais pas si c'est en forme de plaisanterie. C'est quoi le détecteur Il y avait un détecteur développement durable ou quelque chose comme ça à un moment, non? Voilà. Non, il y avait un détecteur étudié qui respecte l'environnement ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, il y avait une sorte de plaisanterie, mais ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que la connaissance, c'est quelque chose qui, déjà qui nous permet d'agir sur le monde, donc c'est quelque chose qui existe. Là, quand vous connaissez des choses, vous pouvez agir sur votre environnement. Et tu parlais de cette bulle qui grossit, mais c'est plus important que ça. Et là, c'est vraiment politique d'une certaine façon, c'est que la connaissance dans notre univers, c'est la seule, on va dire, énergie, force que vous voulez, c'est la seule chose, la seule matière première que l'on peut partager et qui augmente quand on la partage. C'est-à-dire que si vous partagez votre connaissance, eh bien, en fait, vous n'en êtes pas moins connaissance, vous ne donnez pas une partie de connaissance. Et en fait, quand vous partagez votre connaissance à vous augmente aussi. Et ça, c'est l'important. Pardon ? Il y a l'amour aussi. Ah oui, non, mais... Ah, ça peut avoir une durée de vie moins longue. D'accord ? Mais bon, on peut débattre de ça. Je veux pas passer pour un réductionniste, mais ce que je veux dire, c'est que la connaissance, c'est vraiment un truc qui est assez... Voilà. Et oui, c'était par rapport à l'émotion que tu exprimais en disant « je sentais ces particules et tout ça ». Et en fait, je crois que c'est ça aussi
qui pour moi est la chose la plus fabuleuse de la science. C'est pas qu'on puisse faire des choses, c'est que la science, la démarche scientifique et les outils qu'on a, que cette démarche a permis de créer, nous a permis à chaque étape de nous rendre compte que nos sens ne donnaient pas une image fidèle de la réalité. D'accord, on a 5 sens limités, nos yeux ils voient ce qu'ils voient, mais on a vu en ultraviolet, en infrarouge, on a vu avec des ondes gravitationnelles, on n'a pas de sens pour... Le but de la science, c'est toujours de questionner le monde dans lequel on vit. Et à chaque fois, on va créer des outils, des télescopes, des microscopes, qui vont nous révéler une réalité qui n'est pas la réalité manifeste du monde qui est autour de nous. Et à chaque fois, ça va nous bousculer dans notre relation par rapport au monde dans lequel on vit. Alors là, c'est vrai que c'est dramatique, mais en fait, c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas. La première fois qu'on met l'œil dans un microscope, vous avez déjà regardé de l'eau avec de l'huile que vous regardez au microscope pour la première fois, ou du lait. La première fois que vous regardez du lait au microscope, c'est comme quand Galilée a regardé la première fois la Voie lactée avec sa lunette, se rendre compte que c'est fait d'étoiles. Ensuite, vous ne voyez plus la réalité de la même façon. Et ça aussi, c'est quelque chose, indépendamment de la matière noire, indépendamment des questions, c'est cette démarche, le fait qu'on soit tout le temps en train de dans cette démarche de curiosité, avec vraiment le mot curiosité qui vient de ce caritas, donc le soin qu'on porte à toutes les petites choses qui sont autour, qui finalement est une source de connaissance, mais aussi une source de bonheur, une source d'étonnement, parce qu'elle nous oblige à nous repositionner par rapport à ce que l'on croyait être le monde. Et qu'à chaque fois, on est déstabilisé et on ne comprend rien. Et c'est normal, parce qu'après, on a besoin des philosophes pour qu'ils mettent des mots dessus, parce que nous, on juste dit ça, on pousse comme ça, on voit des bulles, on voit des trucs. Et on a besoin d'eux ensuite pour mettre des mots et pour reconstruire ce que l'on va appeler réalité, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné. Et donc, c'était beau la façon dont tu exprimais de voir que tu sentais ces particules de matière noire. Mais en fait, c'est un petit peu ça. C'est que tu as découvert qu'il y avait quelque chose qui peut-être existait, parce qu'on n'en est pas sûr, c'est une hypothèse, mais ça a changé ton regard sur l'univers. Parce que tu as pris le soin de regarder à cette petite chose. Et ça, je crois que c'est ça l'important, en fait, sur la longue durée. Ce qui fait les grandes découvertes, c'est bien sûr les appareils, les financements, mais c'est la curiosité des chercheurs et la curiosité de tout le monde, en fait. Il est très difficile de prédire ce que nous allons voir. Si vous savez ce que vous cherchez et que vous le trouvez, vous n'avez rien appris. L'important, c'est de trouver ce que vous n'attendiez pas. C'est comme ça que la science avance. C'est le point de départ, c'est toujours de ne rien prendre pour acquis. Tu disais on vérifie, et il n'y a pas de personnes qui sont plus, dures à convaincre qu'un chercheur. Si vous arrivez avec un résultat, avant que les autres soient d'accord avec vous, même si vous avez correct, ils vont le remettre en cause, parce qu'ils n'ont pas envie de changer d'avis. Et donc ils vont regarder tous les petits détails pour dire « t'as fait telle hypothèse, t'as fait telle chose ». Et c'est ça aussi qui fait qu'on s'enrichit soi-même dans ce débat, et tu parlais de communauté, il n'y a pas de recherche isolé, c'est-à-dire que le type qui arrive, la dame, faut pas, mais la personne, le génie isolé qui arrive et qui vous dit qu'il a tout compris, en fait, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui se passe dans une communauté et il faut pouvoir échanger ces idées pour les valider, pour voir les choses qu'on aurait mal formulées, parce que c'est que dans le regard extérieur de l'autre, en fait, qu'on arrive à valider les raisonnements qu'on fait, qu'ils soient mathématiques ou expérimentaux. Et donc là, on le voit aussi, c'est vraiment cette expérience en communauté. Alors maintenant, tu parlais Euclide, ça devient extrême, c'est-à-dire que l'expérience que Yannick Mélier, vous avez vu, et le comment on appelle ça, le principal investigateur, le chef. Je crois qu'on est plus de 1000 personnes à travailler sur ce satellite qui sera lancé en 2020. Donc, vous voyez, ça veut dire que pourquoi est-ce qu'il y a du travail pour 1000 personnes? C'est parce qu'on a des gens qui font le télescope, qui font les miroirs, qui font l'analyse de données, et en fait, chacun à son métier et spécialiste, mais c'est la collaboration de toute cette chaîne qui fait que peut-être on aura une signature. Donc il y a des théoriciens, bien sûr, vous avez vu ici, qui sont mis à l'honneur, les gens qui font des simulations numériques aussi, mais c'est vrai, il y a tous les gens qu'on ne voit pas, qui sont là pour faire qu'il n'y ait pas de défaut. Au moment où vous allez voir la déformation des galaxies, si vous avez un défaut dans votre miroir, eh bien en fait, vous allez biaiser toutes vos observations, et ça ne va pas être concluant. Il y a eu des discussions sans fin de savoir qu'est-ce qui se passe quand il y a un peu de poussière qui tombe sur tel miroir et comment on fait pour être sûr qu'il n'y en a pas trop qui tombe pour que la forme des galaxies ne soit pas affectée. Et ça, c'est des choses très concrètes qui demandent beaucoup de gens, beaucoup de temps. Et c'est des gens dont on ne parle pas. C'est vrai qu'à la fin, on parle de la personne qui a eu l'idée. Mais ça aussi, c'est-à-dire que la science, c'est quelques grands noms dont vous entendez parler, qui en général ont des prix, tout ce que vous voulez. Mais derrière, rien de tout cela n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu cette communauté de gens qui travaillaient ensemble et chacun avec sa spécificité. Parce que chaque point est extrêmement technique. Nathalie, merci Jean-Philippe. Nathalie, moi je voulais te demander, comme je savais que tu venais ce soir et j'avais vu ta conférence, ce film, quand on le voit, et cette matière noire, ça crée une forme de distance, je trouve, entre nous
et notre univers, notre cosmos, parce que tout d'un coup, on se dit, mais il y a vraiment des choses qu'on ne capte pas. Et donc, je me demandais comment toi, tu te mets à travailler sur ce domaine. Et puis, un petit point sur, elle est où cette matière noire, finalement ? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur notre univers ? Qu'est-ce qu'elle nous fait sentir de différent ? C'est amusant ta question, enfin ta notion de distance, parce que moi, au contraire, je me sens complètement submergée de matière noire et de cette problématique qui m'occupe au quotidien. Mais c'est vrai que je n'ai pas du tout cette impression de distance. Au contraire, j'ai l'impression d'être en plein dedans, du matin au soir, et pour peu que j'ai commencé à développer un code sur lequel j'ai l'impression qu'il va pouvoir m'apporter, pas des réponses, mais une avancée dans ma recherche, ça ne s'arrête plus. Il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour, enfin, tout s'enchaîne, et jusqu'à ce que mon code marche, et finalement, ça ne débouche pas nécessairement sur une grande découverte, mais je suis submergée totalement par ces questions, et je n'ai pas du tout l'impression d'en être déconnectée à un moment quelconque en fait, de ma journée. Alors, c'est intéressant. Et comment tu te lances dans ce domaine-là, en fait, dans la science, puisqu'il y a, quand on fait de la physique, il y a plusieurs sujets possibles. Oui, comment on arrive en là fait, c'est tout un amalgame parce qu'on est attiré par un télescope, on est attiré par un groupe de chercheurs, on est attiré par un endroit. Et puis finalement, on y met le petit doigt et puis on n'arrive pas à en sortir et puis on y rentre un peu plus et puis après, ben, c'est trop tard, quoi, on y est déjà en plein. Vraiment, je crois que c'est tellement captivant que dès qu'on commence à vouloir regarder à quoi ça ressemble, on n'en sort plus. Ça ressemble à quoi alors? Alors par contre, ce à quoi ça ressemble, vous venez d'y avoir un film là de 52 minutes sur la question. On pourrait continuer à en parler, mais je crois que vous n'auriez pas de réponse plus claire que ce qui a été montré jusque-là. Donc malheureusement, ce à quoi ça ressemble, eh ben, ça reste plus qu'une question d'actualité pour encore les décennies à venir, je crains. Et au niveau de la recherche, bon, comme tu l'as dit Jean-Philippe, c'est très lent. Cela dit, peut-être, tu penses qu'on en est où? Depuis le temps qu'on cherche, comme disait Gilles, on doit plus en être très loin. Mais... Ça fait maintenant 22 ans qu'on cherche la matière noire dans le laboratoire de souterrain de Modane. Depuis le temps qu'on cherche, on doit être proche du but. Voilà, parce que y a quand même, c'est là que je voulais en venir. Il y a quand même un problème. Le LHC, on espérait vraiment que quand il commencerait à tourner, on nous avait dit, bon, le boson de Higgs, on devrait y arriver, mais ça va être difficile. Or, par contre, la matière noire, on va l'allumer et on va le voir tout de suite. On l'a allumé, on s'est dit, voilà, il y a un truc qui ne marche pas. On l'a réallumé parce qu'il n'a pas marché tout de suite, effectivement. Puis on s'est dit, ah, ça ne va pas être aussi facile qu'on l'avait imaginé. On a vu les premiers bosons de Higgs, on s'est dit, on tient quand même quelque chose. Le boson de Higgs s'est confirmé, on a pu faire de très beaux résultats là-dessus, et maintenant on fait de la physique du boson de Higgs. Mais alors la matière noire, là, elle est passée complètement sous le tapis, on ne l'a pas vue du tout. Et là, pour la peine, je crois qu'on avait de très très gros espoirs que le LHC réglerait la question, on verrait enfin cette particule de matière noire dont on avait prédit une grande partie des propriétés, on lui avait donné un nom, on savait que c'était le WIMPS, on allait la voir au LHC. Ensuite, une fois que le LHC aurait défini un peu plus précisément ses propriétés, ses caractéristiques, on allait enfin pouvoir la retrouver également dans les détecteurs comme ceux de Gilles Gerbier et d'Elena Aprilé, parce qu'une fois qu'on aurait sa masse et sa section efficace, on saurait quelle est la taille de détecteur dont on a besoin pour pouvoir la détecter également de façon directe. Donc là, on en était tout près. Et puis comme le LHC a effacé complètement tout ce domaine de paramètres qu'on pensait vraiment extrêmement plausible, on est obligé de revoir vraiment notre copie et de se dire, si c'est pas cette particule dont on était presque sûr qu'elle était juste à portée de main, il faut vraiment aller chercher des particules plus exotiques ou des particules qu'on avait envisagées à une époque mais laissées tomber parce qu'à côté du WIMPS c'était vraiment trop complexe d'aller chercher ces objets-là. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que maintenant on parle de matière noire. Enfin, maintenant, on en parlait mais on n'y croyait pas trop, mais on commence à se pencher vers d'autres façons de tester la matière noire. On parle de matière noire tiède, matière noire froide, etc. Parce que cette matière noire qu'on croyait avoir juste à portée de main, elle n'y est pas du tout. Et donc, on réouvre complètement le champ d'investigation. Merci. J'avais une dernière question pour Cécile. Comment on aborde un film comme ça déjà? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a commandé? Est-ce que c'est toi qui es allé vers ce sujet? Et puis comment tu as décidé de le traiter? On voit qu'il y a un traitement particulier sur la voix off. Peut-être tu peux nous dire un petit peu les techniques que tu as utilisées de narration pour essayer de pallier au fait qu'on ne voit pas ce que tu essaies de nous montrer.
Alors, en ce qui me concerne, je crois que c'est vraiment par inconscience totale. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un producteur un jour qui m'a dit « Ah tiens, Cécile, est-ce que tu voudrais faire un film sur le cosmos ?» Alors, moi, j'étais dans un bus, je me rappelle, quelque part dans Paris. Je dis « Ah oh, oui, tiens, pourquoi pas ? Allez, hop !» Justement, ça m'intéresse, bon. Et puis en fait, quand j'ai compris que c'était vraiment... quelque part, j'ai un peu fait tout le travail d'un étudiant de physique, mais de manière très, très condensée. Quand j'ai compris la complexité de tout ça, c'était... Je venais juste en plus d'avoir mon fils, donc j'étais en train de... J'avais vu mon producteur au mois de juin. Et en fait, il fallait que je rende une proposition de quelque chose au mois de septembre. Et donc, du coup, je passais l'été avec mes... Je n'ose même pas vous dire. Avec Science et Vie Junior, au début. Sur la gravité, pour dire, bon, qu'est-ce que c'est que la gravité, d'accord. Ok, enfin bon, je suis partie vraiment de quelque chose de très... Voilà. Et puis... au mois d'août, la veille de mon rendez-vous avec Arte, je vais voir, il y avait quelqu'un qui s'appelait Roland Lehoucq, qui était en fait le conseiller scientifique de ce film. Et puis, j'avais quand même bien travaillé pendant l'été, et je lui parle de Yannick Mellier. Et Roland Lehoucq me dit « Ah, bah, il est juste à côté, on pourra aller le voir si tu veux ». Et puis à ce moment-là, il arrive... prendre son café, on était à la cafétéria là, de Boulevard Arago. Et donc je suis rentrée dans son bureau et ça a quand même duré 4 heures le rendez-vous avec Yannick Mellier qui était juste. Et en fait j'ai compris, c'est quand même, il a fait un prodige, parce que je lui posais toutes les questions, et en fait il est vraiment d'une... voilà, donc vous l'avez vu là se prêter au jeu du tournage. Il faut savoir que pendant ces 2 jours de tournage, lui, il était effectivement déjà à ce moment-là responsable de la mission Euclide avec une armada de scientifiques de tous les pays dont il était responsable, avec des problèmes à la fois diplomatiques, financiers, scientifiques aussi, mais en fait, apparemment, c'était quand même... Il avait un poids sur les épaules absolument incroyable. Et moi, je disais, non, mais attendez, là, si vous me parlez de baryon, je ne comprends pas. Alors, vous me dites atome. Alors, je disais, oui, bon, allez, d'accord. Enfin, c'est exactement ce que dit Jean-Philippe. C'est-à-dire, moi, il fallait tout simplifier pour que je comprenne et que vous compreniez dans la mesure du possible, quoi. Et donc, on a fait un travail presque de traduction. C'est-à-dire qu'il fallait traduire... la physique de Yannick et en faire la physique de Cécile. Et ça a été un boulot, mais vraiment de presque effectivement de choisir le mot. Et moi j'avais un détecteur, pas un détecteur à particules, mais un détecteur à concepts. Parce qu'en fait la physique c'est une espèce d'empilement de concepts. Un peu comme, voilà, si vous ne savez pas ce que c'est que la gravité, après, il faut comprendre ce que c'est qu'une particule, après, il faut comprendre ce que c'est qu'un champ, il faut comprendre ce que c'est qu'un... Et puis, en fait, tout ça, ça s'imprime. Et nous, quand on reste avec notre manière, enfin, notre vocabulaire, je dirais, au bout d'un moment, on ne peut pas faire des raccourcis cognitif que vous faites vous, parce que c'est des concepts que vous maniez tous les jours. Parce que nous, à chaque fois qu'on va redire relativité générale, on se dit « Oh là là !» Donc du coup, moi, cette histoire de nappe à carreaux, par exemple... Il faut se représenter l'univers comme une espèce de nappe à carreaux, par exemple, une espèce de grille, sur laquelle on dépose un objet compact massif. Qui se déforme quand on a quelque chose de très lourd, on voit les carreaux qui se déforment. Ben, en fait, quand je parlais avec Yannick Mellier, je lui disais « Ah oui, la nappe à carreaux », plutôt que de dire la relativité. Parce que du coup, pour moi, c'était assez clair, cette idée d'avoir une grosse boule qui fait que elle se déforme sous le poids. Enfin, je veux dire, c'est des choses un peu... Mais en fait, je ne sais pas si ça vous a aidé. Moi, ça m'a beaucoup aidé en fait, à mettre des images, à mettre des... C'est tout bête, mais en fait, finalement, ça simplifie les choses. Et je me suis aperçue, alors ça, c'était rigolo, mais même avec Gilles Gerbier, j'ai fait ce travail-là aussi,
Et donc, on fait tout le tournage et tout ça. Je l'ai beaucoup embêté parce qu'à chaque fois, c'était trop compliqué. Et puis, avec ces histoires de bruit de fond, de machin, enfin, ça n'allait jamais. Il y avait toujours, en fait, un niveau supplémentaire de finesse qui faisait que, finalement, on se sentait exclu du principal. Et moi, je voulais le principal, en fait. Quelque part, le niveau de finesse en trop, il est bien pour vous. Mais nous, il nous empêche d'accéder au problème. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'avoir ce... Voilà. Et après, il y avait quand même cette difficulté, une fois que j'ai un peu torturé ces scientifiques pendant des heures pour qu'ils racontent des choses, il y a eu le montage. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, ce que tu dis, Nathalie, de dire, ben voilà, il y a toutes ces approches... Mais en fait, finalement, ce n'était pas si simple à conceptualiser. C'est-à-dire que moi, je comprenne. Ah bah tiens, il y en a qui essayent de l'attraper. Il y en a qui la fabriquent. Il y en a qui la simulent. Il y en a qui vont la chercher là. En plus, je ne vous parle pas de tous ceux qui font encore d'autres choses et qui ne sont pas dans le film. Il y en a qui la cherchent au fond des océans. Il y en a qui disent la matière noire, elle n'existe pas. Il faut juste rajouter des constantes dans les équations. Et en fait, on fera comme si ça marche. Bref, il y a quand même... et puis exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les 15 jours, il y avait un papier. Ça y est, tout ce qu'on sait est faux, il y a quelqu'un qui a trouvé machin. Donc moi j'étais là, j'étais là, mon Dieu, tout mon film est par terre. J'appelais Roland Lehoucq, et Roland Lehoucq, oh, mais c'est comme ça la matière noire depuis 50 ans, t'inquiète pas. Donc c'est vrai que... Voilà. Et du coup, effectivement, pour faire un peu... passer la pilule de ce gros travail conceptuel, bah, je trouvais que le fait de mettre en scène un petit peu des petits jeux de rivalité, de faire un peu comme s'il y avait le course à qui allait arriver le premier, ce qui est vrai, ce qui est une réalité. Bon, c'est vrai que là, c'est fait de manière un peu ludique et un peu... Bon, voilà. Alors, moi, j'ai eu aucune pression de la part d'Arte, mais en même temps, j'ai l'impression que moi, j'avais la même intention de départ, qui était que je voulais que le film soit le plus compréhensible possible. Donc si jamais la personne d'Arte me disait bah, « là, je ne comprends pas », je dis « ok, bah, je t'explique mieux ». Enfin, en fait, moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Bon, après, voilà, je sais que le film il n'est pas encore totalement aussi limpide qu'il pourrait, machin, mais quand même, moi, j'ai fait le maximum dans le temps et le budget imparti de ce que je pouvais. Mais après, je ne sais pas, expliquer et quand même mettre le spectateur de son côté. C'est-à-dire que essayer d'être le moins rébarbatif possible. Et franchement, c'est vrai que quand on se retrouvait en pleine nuit, parce qu'on avait du faux brouillard, on avait des bombes, des bombes de fumée avec Yannick Mélier qui se prenait des branches dans les yeux, et moi j'étais là, oh là là, mon Dieu, le pauvre, lui, il est... Enfin, il y avait un côté ludique, puis bon, voilà, se retrouver à Porto Rico, au milieu de cette espèce de radiotélescope extraordinaire, on se croit dans un... Enfin, c'est un décor de James Bond, d'ailleurs, ce lieu, tellement c'est extraordinaire. Enfin, il y avait un côté tellement ludique derrière ce travail de passeur, en fait, d'une certaine manière, de ce monde qui est... Vous ne vous rendez pas compte, parce que vous baignez dedans, vous. Mais c'est vrai que c'est complexe de le traduire et de le comprendre. Et alors, du coup, juste pour terminer, après ce film, vous savez ce que Arte m'a demandé ? Un film sur la conscience. Donc là... Et voilà, et ça recommence. Qu'est-ce que la réalité, patati, patata. Enfin, c'était passionnant aussi. Merci Cécile pour le point de vue intérieur. C'est vraiment un sujet, la matière noire, et un film qui, je trouve, relie vraiment des pensées extrêmement abstraites du cosmos, d'où on vient, où on va, dans quel univers baignons-nous, et en même temps des questions extrêmement pratiques de comment on le finance, comment on le trouve et comment on l'explique à la société. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Je pense qu'il est temps de passer à la séquence un peu plus sérieuse, on va dire, puisque j'ai demandé à Nathalie, et je le demanderai à tous les parrains cette année, de choisir une équation.
Ça peut être soit une équation avec laquelle elle travaille tous les jours, soit une équation qui l'a marquée, soit une équation vraiment fondamentale. Je vais la laisser en parler et nous la présenter. Alors là, c'est un défi, parce que c'est la première fois que je présente une équation en public, comme ça, qui ne soit pas juste dans un développement purement de collègues de travail, où là, on va au fond des équations, justement. Donc, bon, un véritable défi. Donc, l'équation, elle est extrêmement simple, mais en même temps extrêmement puissante, et elle est particulièrement intéressante dans le contexte de la matière noire, parce que c'est justement l'équation qui est à la base de la découverte de Vera Rubin sur la vitesse de rotation des galaxies spirales. Donc l'équation, il y a assez peu de lettres, donc ça va être rapide à expliquer. À gauche, vous avez V de R. Alors ce que ça veut dire, c'est la vitesse à une distance donnée. La distance, elle est ici exprimée par R comme le rayon. Donc là, vous avez la vitesse à laquelle un objet va tourner autour d'un centre gravitationnel, c'est-à-dire autour d'un objet particulièrement massif. À droite, vous avez justement l'expression qui va vous expliquer comment cette vitesse évolue en fonction des différents paramètres en jeu. Alors tout d'abord, vous avez G. Ça, c'est une constante, c'est la constante de Newton. On n'y touche pas, elle est là, elle est maintenant très très bien connue. Elle vaut 6,67 10 puissance moins 11 dans le système international d'unité. Donc, elle est là, mais il n'y a absolument aucune complication, c'est une constante. M int de R, alors là, ça a l'air un petit peu plus compliqué, mais c'est tout simplement la masse. Alors, pourquoi il y a tous ces termes-là? Pourquoi on n'a pas juste écrit M pour la masse? Ben, parce qu'en pratique, c'est une masse à l'intérieur d'un rayon donné. Alors dans certains cas, c'est simple, c'est juste la masse. On en verra un exemple juste après. Dans d'autres cas, ça peut être plus complexe pour un objet diffus où la masse en fonction du rayon, c'est pas juste la masse de l'objet central, mais c'est une masse dont on doit prendre en compte la répartition de masse avec la distance. Et le int, c'est justement cette notion de intérieur à un rayon donné. Donc M int de R, c'est la masse à l'intérieur d'un rayon donné ou d'une distance donnée. Et on divise par R, de nouveau, c'est ce fameux rayon ou distance qui intervient dans l'équation. Puis le grand symbole là, qui englobe tout ça, c'est pas juste un carré pour faire joli, mais c'est une racine carrée. Donc ça veut dire que vous prenez la racine carrée de ce qui est à l'intérieur. La racine carrée de 9, c'est 3. C'est un nombre, l'intérieur, quand vous le multipliez par lui-même, vous trouvez le nombre élevé au carré, donc celui de gauche. Donc voilà pour les termes de l'équation. Maintenant, on va l'appliquer à un cas extrêmement simple, qui est le cas du système solaire. Alors ça, on a vu également dans le film, ça marche très très bien dans ce contexte-là. Et ce qui est intéressant pour le système solaire, c'est qu'en fait, le système solaire, c'est le Soleil, puis toutes ses planètes, Mercure, Vénus, Terre, Mars, etc. Mais toutes les planètes ont des masses tellement faibles par rapport au Soleil qu'en fait, la masse d'un système solaire, c'est la masse du Soleil. C'est la masse de l'astre dans le centre de ce système solaire. Donc là, ça veut dire que le terme M int de R, que j'ai pris déjà 5 minutes à expliquer, il est extrêmement simple, vous le remplacez par masse du Soleil. Alors qu'est-ce qu'on voit là ici? C'est qu'on va pouvoir justement appliquer cette équation au système solaire. Donc la distance, c'est tout simplement la distance à laquelle vous vous éloignez du Soleil. Et tous les autres termes sont tout simplement extrêmement triviaux. Voilà. Et là, ce que vous voyez, c'est la distance qui augmente. Alors ça, c'est clair parce que R augmente dans l'équation. À droite, vous avez le résultat de ce calcul-là. M int de R, en pratique, on voit R qui augmente, mais je vous rappelle, M int de R dans le système solaire, c'est la masse du Soleil, c'est une constante aussi. Donc la seule chose qui évolue, c'est le R qui était au dénominateur, c'est-à-dire la distance à laquelle on s'éloigne du Soleil. Et là, à droite, vous avez la vitesse à laquelle un objet qui tourne autour du Soleil doit la vitesse à laquelle il doit tourner, justement. Là, on s'est arrêté au niveau de la Terre, et vous voyez qu'on obtient une vitesse de 30 km par seconde, ce qui est effectivement la vitesse à laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Les valeurs intermédiaires par lesquelles on est passé vous donnent effectivement la vitesse de différentes planètes du système solaire. Donc ici, la courbe verte, c'est exactement l'expression de cette équation en fonction de la distance au Soleil, qui est ici exprimée en millions de kilomètres. La Terre est à 150 millions de kilomètres, donc la Terre, elle est à l'extrémité de l'écran ici. Et cette courbe représente les vitesses. Et donc, ce qui est particulièrement intéressant aujourd'hui, où on est en train de découvrir de nouveaux systèmes solaires, on parle sans arrêt d'exoplanètes, donc de planètes découvertes autour de d'autres systèmes solaires. Et en fait, la simple mesure de la vitesse de rotation de ces planètes nous permet de déterminer la masse au cœur de leur système solaire. C'est une équation qu'on utilise très, très souvent dans ce type de contexte pour déterminer la masse d'un objet. La courbe bleue, c'est la même équation, mais en prenant un Soleil qui aurait 10 fois la masse de notre Soleil. Et donc, comme racine carrée de 10, c'est pas très loin de 3, ça vous donne des vitesses qui sont 3 fois supérieures à celles que l'on observe dans le système solaire.
Et la courbe bleu marine en dessous, c'est la même chose, mais cette fois-ci pour un soleil qui serait 10 fois moins massif que le nôtre, et donc des vitesses, en gros, 3 fois plus faibles que dans notre système solaire. Et juste parce que je vous ai parlé de la Terre et de Mercure, alors, et des planètes qui précèdent la Terre sur notre système solaire, la Terre est à 150 millions de kilomètres, Mercure à peu près 58 millions de kilomètres, en fait, du Soleil, et on retrouve effectivement avec cette équation-là la valeur à laquelle Mercure ou la Terre tourne autour du Soleil. Donc cette équation, extrêmement simple, marche redoutablement bien dans un système solaire. Et donc ce qu'on a cherché à faire, et en particulier c'est exactement le travail de Vera Rubin, c'est de faire ce même type d'approche à d'autres systèmes que le système solaire, et en particulier en essayant de l'appliquer à des galaxies. Alors, revoici cette fois-ci l'image d'une galaxie tout à fait comparable à notre Voie lactée, donc notre propre galaxie. Si l'on fait la même chose, alors vous comprenez bien que quand on est au sein même de cette galaxie, justement le terme masse à un rayon donné va être un petit peu plus complexe que dans le cas d'un système solaire. Toute la masse d'une galaxie, ce n'est pas le centre galactique uniquement. On voit bien que cette masse se répartit un petit peu le long du plan de cette galaxie. Donc effectivement, l'essentiel de la masse est au centre, mais toute la masse n'est pas au centre. Donc la forme de la courbe vitesse en fonction du rayon ne sera pas tout à fait aussi simple que ce que l'on a vu dans le système solaire, puisque en tout cas, dans les premières distances, alors on verra en quelle unité, enfin c'est déjà marqué, mais lorsqu'on commence à s'éloigner du cœur galactique, la masse à l'intérieur de notre rayon va continuer à augmenter. Donc on a tout d'abord une augmentation de la vitesse, puisque la masse va augmenter de façon conséquente dans les premiers kiloparsecs du centre galactique. Alors justement, kiloparsec, c'est l'unité que j'ai utilisée ici pour exprimer la distance au centre de la galaxie. Un kiloparsec, c'est très grand, c'est 30, alors pour parler justement avec ces millions de milliards, je vais essayer de ne pas me tromper, un kiloparsec, c'est 30 millions de milliards de kilomètres, c'est-à-dire pour ceux qui ont l'habitude des puissances de 10, un kiloparsec, c'est 3 10 puissance 16 kilomètres, donc ce sont vraiment des très très grandes distances. Le système solaire est à peu près à 8 kiloparsec, 8,5 kiloparsec du centre de la Voie lactée. Et donc voici ce à quoi ressemble l'équation vitesse en fonction de la distance dans une galaxie typique comme la Voie lactée. Vous voyez qu'elle commence par augmenter en raison de ce terme de masse qui augmente lorsque l'on s'éloigne du centre de la galaxie. Et ensuite, il y a de moins en moins d'étoiles. La masse sous forme d'étoiles n'augmente presque plus lorsqu'on commence à s'éloigner suffisamment. Et on retrouve la décroissance à peu près en 1 sur racine carrée de la distance, 1 sur racine de R, c'est-à-dire une décroissance comparable à celle que l'on avait dans le système solaire quand on commence à s'éloigner suffisamment du centre de la galaxie. Et donc, quand on commence à avoir la masse qui est quasiment devenue stable lorsqu'on continue à s'éloigner du centre de la galaxie. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement de continuer avec cette comparaison théorie et données. Et donc, c'est ce que l'on va faire ici maintenant. La courbe que je vous ai montrée est devenue en pointillé, puisque ça, c'est notre prédiction théorique. Et on va superposer à cette courbe des données expérimentales que l'on mesure donc sur une galaxie typique. Et c'est là qu'intervient le problème de la matière noire. C'est qu'autant dans le système solaire, les vitesses que l'on observe pour Mercure, Vénus, Terre, Mars, etc., sont tout à fait en accord avec notre théorie, autant sur des galaxies spirales, ce n'est plus du tout le cas. Et on a un désaccord absolument flagrant entre les observations, ces points bleus que vous voyez en haut, et la théorie, cette courbe grise en pointillé que l'on a représentée au début. Et donc la seule façon de concilier ces observations avec la théorie, c'est d'invoquer un terme qui va pouvoir justement continuer à augmenter la masse, puisqu'on a vu que la masse sous forme d'étoiles, elle, n'augmentait quasiment plus. Pour avoir des vitesses qui, elles, continuent à être stables, il faut que le terme de masse continue à augmenter. Et donc, pour pouvoir faire augmenter ce terme de masse, on est obligé de rajouter une nouvelle composante, ce fameux halo sombre, donc ici, dark halo, qui est tout simplement halo sombre en anglais. Mais c'est cette incohérence entre les observations et la théorie qui nécessite une modification à notre théorie, et c'est interprété ici sous cette forme de matière noire. Et donc voici pour la petite équation de la soirée, et j'espère que vous avez tout compris. Ah.
Et donc je prends des étudiants en thèse, tous ceux qui sont motivés. On a bien travaillé avec Nathalie pour préparer cette petite séquence, mais je la remercie vraiment d'avoir joué le jeu parce que je trouve que ça nous montre vraiment une forme de science en train de se faire ou en train de réfléchir, et c'est vraiment important de le montrer, je pense, ce soir. On va passer à la séquence questions-réponses maintenant. Si vous avez des questions pour nos intervenants, ils peuvent y répondre, et je vais passer le micro. On commence par là. Merci beaucoup. J'ai une question assez simple. Donc, pendant tout le film, on a vu... beaucoup... Je suis là. Ah, merci. Donc, pendant tout le film, on a vu beaucoup de scientifiques qui déployaient beaucoup d'efforts pour essayer de mettre en évidence cette matière noire. Et à la fin du film, il y a Étienne Klein qui dit que peut-être ils n'y arriveront jamais. Peut-être que c'est la théorie de la relativité générale qui poserait éventuellement des problèmes. Donc, il mettrait en doute cette théorie. Alors, ma question est très simple. Y a-t-il des scientifiques qui sont en train de proposer des théories alternatives à la relativité générale? Oui, je vais répondre. Alors juste, je voulais dire un truc avant, parce que c'était super le truc de Nathalie, là, parce que c'est marrant des fois, des trucs, vous avez cette équation, je l'ai vue comme nous, depuis qu'on est bébé, parce que ça, c'est une équation quasiment... Quand je dis bébé, je rigole pas, parce que nous, on n'est plus si jeunes que ça, mais à notre époque, on faisait ça en terminale. Et donc, mais c'est vrai. Et je l'avais jamais regardé depuis une salle de cinéma, et ça m'a fait penser à un truc. Je me suis dit, parce que c'est une équation, vous l'avez vu avec des symboles et tout ça, et on ne sait pas si ça vient d'un calcul ou d'où ça vient, cette équation. Et je me suis dit, en fait, elle a une super histoire, cette équation, qui est tout à fait en phase avec le film. Le premier qui ne la formule pas sous cette forme-là, c'est Kepler. Et Kepler, comment, on appelle ça la troisième loi de Kepler. Comment il l'a? C'est parce qu'il connaît le mouvement des planètes du système solaire, il connaît leur distance et la période, donc il en déduit la vitesse, il peut avoir cette loi. Donc vous voyez, il décrit ce qu'il observe, un peu comme pour la matière noire, il décrit, il parle de l'observation, il ne comprend pas, il décrit, je sais comment ça marche, et c'est déjà un outil de décrire avant d'avoir une formule. C'est ce qui va permettre à Newton de formuler sa loi de la gravitation. Il va comprendre l'hypothèse qu'il faut qu'il fasse pour avoir sa loi de la gravitation. Donc là, on passe de la description de l'observation à une formalisation d'une théorie scientifique, et donc qui donne une plus grande validité à cette équation, parce que si c'est la gravitation universelle, elle marche dans le système solaire, comme tu l'as dit, elle marche dans les systèmes planétaires et dans les galaxies. Et maintenant, vous la réutilisez pour... voir les observations, et elle vous dit, il y avait dans certains endroits, il n'y avait pas que ça, il y avait autre chose. Et donc on voit cet aller-retour entre l'information qui vient de ce que vous observez, le changement des hypothèses, et comment ça vous permet d'avoir une théorie. Donc ça, c'est vraiment un cycle sur cette équation. Juste en la voyant, je me suis dit, ah, c'est, en fait, il y a une histoire, mais extraordinaire sur cette équation. Bon, voilà. Alors la relativité générale, c'est pareil. D'accord ? La relativité générale, c'est pareil. Sauf que c'est la relativité générale, elle a une structure beaucoup plus rigide que l'équation de Newton. Si vous prenez la loi de la gravitation de Newton, vous pouvez changer des choses. On a d'ailleurs des gens qui ont fait des théories qu'ils appellent monde modify Newtonian dynamics, en disant cette courbe que Nathalie a montrée, c'est pas de la matière, c'est que quand je suis loin du centre où l'accélération est plus faible, eh bien dans ce régime-là, je vais changer la loi de Newton. Donc ça, on peut le faire, c'est assez facile à faire. Pour la relativité générale, c'est beaucoup plus difficile parce qu'elle a une structure mathématique avec une certaine rigidité. Ça, c'est la première chose. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi la théorie qui est le mieux testée de toutes les théories de la physique. Dans le système solaire, avec une précision qui est de l'ordre, on va dire, de mieux d'un millième sur certains aspects. Mais vous avez peut-être entendu parler du satellite Microscope, c'était au mois de décembre d'ailleurs, je pense que on a eu les résultats le 6 décembre. Dans lequel on teste le fait que des masses qui sont de composition chimique différente tombent de la même façon, on le vérifie avec une précision de 10 puissance moins 13. D'accord ? Donc, je ne sais pas dire ça en français, 10 puissance moins 13. Mais donc, ça veut dire, il y a beaucoup de zéros et qu'il y a un 1. Et ça veut dire que localement, ici, on a des choses qui sont extrêmement bien testées. Et puis, on a des tests à des niveaux, on va dire, des plus grandes échelles. La cosmologie donne certaines contraintes. Et donc, on se rend compte. Et puis, alors ça, vous l'avez entendu parler, les ondes gravitationnelles. Le fait qu'on produise des ondes gravitationnelles, que la gravitation finalement peut sourcer des déformations de l'espace-temps qui se propagent,
Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi reproduire. Donc, on voit qu'on a différents régimes. Ici, la gravitation est assez faible, d'accord. Donc, on est presque Newton, et là, ça marche très bien. Et dans les trous, dans la coalescence de trous noirs, la gravitation est très forte. Donc, on voit qu'on a tous les régimes qui sont testés aujourd'hui. Et bien sûr, les gens se sont posés la question de savoir comment on pouvait modifier la gravitation. Et des théories alternatives à la relativité générale pour décrire la gravitation, dans les livres, il y en a plein. C'est des exercices que les gens font déjà, je vais dire, depuis les années 1919-1920, se dire, ben voilà, il y a une structure, celle d'Einstein, avec, qui part de certaines hypothèses et qui nous décrit ça comme un espace-temps. Et cet espace-temps, je vais aussi pouvoir lui associer une particule qu'on appelle un graviton, on va pouvoir le caractériser, il a une masse nulle, et ainsi de suite. Et il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, qui travaillent sur ce qu'ils appellent la gravitation massive. Donc, ils se disent, est-ce que le graviton lui-même pourrait avoir une masse? Qu'est-ce que ça fait? Alors, la première difficulté, c'est de décrire une théorie qui soit mathématiquement cohérente. Ça tue 90% des théories. Déjà, c'est-à-dire qu'il va y avoir de l'énergie gravitationnelle négative, il va y avoir plein de problèmes. Alors, personne ne vous dit qu'on ne peut pas vivre avec, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a certaines idées de ce qu'est une bonne théorie scientifique. Par exemple, j'aimerais savoir que si je mets des conditions initiales et que je laisse évoluer mon système, eh bien, j'obtiens une solution unique, parce que je veux qu'une théorie scientifique soit prédictible. Si j'obtiens des solutions différentes, eh bien, elle est plus prédictible. Alors ça, c'est ce qu'on appelle techniquement savoir si la théorie a un bon problème de Cauchy. Donc voilà, ça, c'est un mathématicien. On peut le formuler. On peut tuer des théories simplement sur ces critères-là. Et puis après, il y a l'accord avec les observations. Et comme je vous ai dit que la relativité générale était extrêmement bien testée, il faut que toutes ces théories-là passent les tests que la relativité générale passe. Et en général, vous avez des petits paramètres, il va falloir les ajuster extrêmement finement pour que, finalement, dans tout ce qu'on observe, elles soient indiscernables de la relativité générale. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'elles sont exclues, mais ça veut dire qu'elles sont extrêmement contraintes. Donc ça, on est vraiment dans cet espace-là. Et ce qui a été montré... je vais faire un peu de pub, comme ça, je me fais plaisir... Vous avez entendu parler Yannick Mélier donc de ces effets de l'antigravitationnel. Vous savez que c'est le premier à avoir détecté l'antigravitationnel faible. C'était janvier 2001, si mon souvenir est bon. Et donc, il était à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et moi, je travaillais avec un de mes collaborateurs proches qui s'appelle Francis Bernardo. Et on avait passé quasiment toutes les vacances de Noël à travailler sur des idées comme ça. Et il nous parlait de ses résultats. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec les observations qu'il va avoir avec le satellite Euclide et puis des catalogues de galaxies et d'autres observations, on allait pouvoir tester la relativité générale à une meilleure précision aux échelles cosmologiques. Donc, il y avait un test de cohérence de la même façon que dans le système solaire, il y a des tests de cohérence. Par exemple, la déflexion de la lumière qui a été mesuré par Eddington en 1919, est un test de la relativité générale, parce qu'il faut que les galaxies tournent à la bonne vitesse et que la lumière se défléchisse de la bonne quantité. Et ça, ça n'arrive que dans le cas de la relativité générale. Et alors, ce qui a été intéressant, ça a changé beaucoup les choses, qu'on s'est rendu compte à partir de cette époque-là, que non seulement on pouvait mesurer les paramètres du modèle cosmologique, mais qu'on pouvait aussi tester, faire des tests de cohérence des lois physiques sur lesquelles reposait ce modèle. Donc tester la relativité générale à des échelles cosmologiques, et aujourd'hui c'est devenu un des grands pans de la mission Euclide. Et ça a été vrai pour plein d'autres lois. Donc on peut mathématiquement écrire des théories, il y a des livres entiers qui ont été écrits depuis les années 50, il y a un très bon livre par Clifford Will, qui est un professeur américain, qui vous donne toutes les façons de classifier ces théories, donc en rajoutant quel type de champ. Donc la relativité générale, je vous ai dit, il y a le graviton, ça c'est un tenseur, vous pouvez rajouter un champ scalaire, ça s'appelle les théories tenseurs scalaires, il y a toute une famille, et puis il y a des fonctions et tout ça, et donc vous pouvez, il y a les gravités massives, il y a les bigravités, donc il y a des gens qui pensent qu'en fait il y a deux forces de gravité, mais vous êtes sensible qu'à une, par exemple, et puis les deux gravitons, ils interagissent entre eux. Et on peut imaginer tout ce qu'on veut, parce que la théorie... Non, alors il y en a qui prétendent donc c'est une des motivations de faire ces choses-là, parce que dans la science, on ne va jamais à la pêche, c'est-à-dire on ne va pas postuler des théories comme ça en disant « Ah, je peux le faire », c'est parce que les choses qu'on peut faire, il y en a beaucoup, et si on passe son temps à explorer toutes les choses que l'on peut faire, on n'y arrivera jamais. Quand Einstein formule la relativité générale, il le dit, c'est d'un acte complètement non révolutionnaire. Je prends juste les conséquences de ce qui sont devant moi et j'essaie de faire quelque chose de cohérent avec le moins d'hypothèses possibles. C'est ça qui est beau dans sa théorie, c'est qu'il est parti avec trois fois rien. Et donc les gens se sont dit, en particulier, alors plus que pour la matière noire, c'est pour l'accélération de l'univers, c'est à des très grandes distances, peut-être que l'on pourrait modifier la relativité générale aux très grandes distances. Et en fait, toute cette industrie de trouver des théories qui à la fois soient capables d'expliquer l'accélération de l'univers, et comme on la mesure, ça met des contraintes sur cette théorie, mais en général,
Je ne connais pas aujourd'hui de théories qui expliquent l'accélération de l'univers et qui sont compatibles avec les tests qu'on a dans le système solaire. Et ça aussi, c'est très beau. C'est-à-dire qu'on a des théories qui, localement, elles peuvent, pour l'univers, elles peuvent fonctionner. Pour le système solaire, elles peuvent fonctionner. Mais quand vous essayez de faire coller le local et le global, eh bien, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder parce qu'on ne peut pas dire a priori c'est de la matière noire, il faut prouver que ce n'est pas une autre interaction. Et la matière noire dont vous a dit que du bien, il y a quand même des choses qu'elle n'explique pas bien, d'accord ? Un certain nombre de petites structures dans les galaxies sont mal expliquées. De cette loi de Vera-Rubin, on peut avoir une relation entre la brillance des galaxies et puis cette fameuse vitesse plateau qu'on observe dans plein de galaxies et qui a du mal à être reproduite par la matière noire et qui d'ailleurs est reproduite facilement par des théories de gravitation où on modifie la loi de la gravitation. Donc vous voyez, en fait, on est à la recherche parce que la matière noire, on a mis une particule, mais ce n'est pas la seule propriété. Il y a des particules, comme tu disais, des chaudes, des froides, donc ça veut dire qu'ils peuvent interagir un peu et ça va changer des structures à petite échelle. Est-ce qu'ils interagissent avec la matière ordinaire ou pas? Ça va changer. Et en fait, ça, c'est ce que les gens essayent de faire dans les simulations numériques et c'est extrêmement difficile à faire. On voit que... qui est-ce qui montre cette image de galaxie simulée qui la compare à une galaxie observée? Non, ce n'est pas Joël Primack, c'est... ça y est. Voilà, c'est Frankel. Alors c'est fabuleux d'arriver à ça, mais en fait, on se rend compte que quand on regarde ces simulations, elles ne sont pas encore parfaites. C'est-à-dire que déjà pour avoir cette forme de galaxie, il faut mettre plein d'effets fins qui sont difficiles à modéliser. Le fait que dans vos galaxies, il y a des étoiles qui se forment, que ces étoiles évoluent, qu'elles font des trous noirs, qu'elles font des supernovas. Et en fait, il faut le prendre pour avoir cette bonne forme-là. Si vous oubliez tout ça et que vous prenez que la matière noire, vous n'aurez jamais une galaxie qui a cette forme. Et question, comment est-ce que cette matière noire interagit avec la matière ordinaire? Ça, on n'en sait rien, donc on postule des choses. On sait que ce n'est pas fort, parce que ça, sinon, ça changerait radicalement les processus. Si on ne met pas du tout d'interaction, eh ben, au cœur, il va y avoir des problèmes. On va avoir trop de matière noire qui va être concentrée, donc on ne sait pas. Et ça, on essaye par essai-erreur de savoir quelles sont les propriétés de cette matière noire, mais surtout de savoir si les codes numériques que l'on fait sont une bonne représentation des phénomènes physiques. Parce que ce n'est pas parce que c'est dans un ordinateur que c'est plus juste que quand c'est sur du papier. D'accord ? Ça aussi, c'est important. Voilà. Bonsoir. D'abord, je voulais vous remercier pour cette séance qui m'a appris beaucoup de choses. Et puis, j'avais deux petites questions à vous poser. Une première question d'une personne qui n'est pas très initiée dans le domaine, donc vous allez peut-être la trouver naïve. Il y a plein de choses qui m'ont surprise dans ce film. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de... On dirait qu'il n'y a pas de matière noire dans le système solaire alors qu'elle apparaîtrait dans la galaxie. Sur la Terre, alors qu'elle est censée représenter un peu plus d'un quart de ce qui compose l'univers, on n'arrive pas à en isoler une seule. Donc, comment se répartit la matière noire? Est-ce qu'on n'aurait pas un gradient, en fait? Et puis aussi, bon, on a réussi à cartographier cette matière noire en 3D, on a vu cette image, et du coup, on saurait où elle se situe. Est-ce que ce ne serait pas possible d'envoyer une machine sur place, faire un prélèvement, et la ramener sur Terre pour l'analyser? Voilà. Et ma deuxième question, parce que vous nous avez mis l'eau à la bouche d'abord dans le film, quand on a vu cette image où il y avait matière noire et puis cold et hot, et puis Jean-Philippe l'a réévoqué à plusieurs reprises, c'est quoi la différence entre la matière noire chaude et la matière noire froide? Alors, il y avait beaucoup de questions. Alors, vu la longueur des réponses de Jean-Philippe... C'est bavard. Alors, pour répondre à quelques-unes des questions, alors déjà, la matière noire est extrêmement diffuse. Il faut voir que la matière qu'on voit ici, c'est de la matière complètement surdensifiée par rapport à de la matière en moyenne dans l'univers. En moyenne dans l'univers, il y a à peu près un atome d'hydrogène, je crois, par mètre cube, quelque chose comme ça, ou un proton par mètre cube, c'est pareil. Donc, il faut voir que là, où on a des 10 puissance 20 et quelques protons par centimètre cube, on est extrêmement surdense par rapport à l'univers en général. Et c'est pareil. Alors nous, on est un cas extrême, mais le système solaire, c'est pareil. On a vraiment une zone localement extrêmement dense. Et donc, si la matière noire n'est pas agglomérée aussi intensément que ne l'est la matière ordinaire, alors effectivement, localement, il y en a très peu. Mais ce n'est pas qu'il n'y en a pas localement et qu'elle est ailleurs, c'est qu'elle est extrêmement diffuse. Et donc, nous, on est exagérément surdense. On domine totalement la matière noire localement. Donc en fait, c'est pour ça que dans le système solaire, on n'a pas d'effet de la matière noire. Il faut commencer à aller regarder des régions beaucoup plus grandes pour avoir ces effets de matière noire.
Ça, c'est pour la première sous-question. Ensuite, hot and cold, alors ça, c'est quelque chose qu'on invoque plus récemment, justement, et ça dépend des propriétés de cette matière noire. Alors, ça peut dépendre de leur masse, ça dépend aussi surtout de leur façon, de leur vie. Alors, de leur température, évidemment, puisqu'on parle de chaud et froid. La température, on peut l'interpréter dans certains cas comme en fait la vitesse à laquelle elle se déplace, comme des particules d'un gaz. Plus le gaz est chaud, plus les particules de ce gaz vont se déplacer à grande vitesse. Thermodynamiquement, c'est à peu près ce qui se passe. C'est pas directement lié à sa masse, mais ça peut à peu près l'être. Et donc, on voit que si les vitesses de ces particules sont extrêmement importantes, dans ce cas, on parle de matière noire chaude, et ça a des incidences sur toute la formation que l'on va observer derrière sur les structures. Parce que si elles se déplacent très vite, elles auront encore plus de mal à s'agglutiner les unes avec les autres. Donc, elles vont avoir plus de mal à s'agglomérer pour former des structures. Et ce qu'on appelle des structures, ce sont des galaxies et autres. Donc, on voit que les propriétés chaudes ou froides de la matière noire vont avoir une incidence sur les structures, et donc les galaxies, les amas de galaxies qu'on va observer aujourd'hui. Et donc, justement, ça a été une des premières raisons pour lesquelles on a tout d'abord commencé par exclure la matière noire chaude, parce qu'on se disait qu'on n'arriverait jamais à former un univers qui ressemble à celui que l'on voit. Or, quand on constate les simulations avec uniquement de la matière noire froide, en pratique, dans la grande majorité des simulations que vous avez vues, il y a des agglomérats qui ressemblent à des galaxies. Ensuite, il y a des filaments qu'on n'a pas pu mettre en évidence aujourd'hui, mais au premier ordre, ça ressemble à un univers formé de galaxies tel qu'on l'observe. Donc, on a tendance à penser que la matière noire est essentiellement froide, donc ressemble aux propriétés qu'on a vues au niveau des simulations numériques. Mais la particule de matière noire froide qu'on avait le plus imaginée, c'était celle que l'on espérait trouver tout de suite au LHC et qu'on n'a pas trouvée. Donc, on revient vers d'autres types de matière noire. Alors, le chaud, purement chaud, est totalement exclu, mais on pourrait avoir un mélange. Pourquoi pas, ça c'est la complexité d'ordre 2, mais on pourrait aussi avoir de la matière noire tiède, donc pourquoi pas aller chercher un degré intermédiaire entre le très chaud où on ne formerait pas de galaxie et le très froid qu'on n'a pas découvert aujourd'hui. Et des particules de matière noire tiède, en pratique, on a des candidats. Par exemple, on pourrait invoquer des neutrinos stériles. On sait que les neutrinos existent. On pourrait imaginer qu'il existerait une nouvelle famille de neutrinos, différente de celle que l'on a mise en évidence à ce jour, et qui pourrait constituer justement des particules de matière noire tiède. Leurs propriétés semblent coller. Par contre, une fois de plus, il faudrait la détecter, cette particule, pour pouvoir affirmer que c'est effectivement la réponse à notre problème. Mais donc, ce n'est pas stupide de parler de ces différentes températures de matière noire. Certains sont exclus, d'autres pas encore, et on cherche à les mettre en évidence par toutes les techniques que l'on a vues dans ce film, tout comme on avait fait jusqu'ici pour la matière noire froide. On va passer à la séquence suivante, puisque la matière noire n'est pas là, mais le temps, lui, est toujours là. Donc, je ne sais pas, ça, c'est à toi de nous le dire. Donc, on va passer à la dernière séquence, vous restez avec nous. C'est avec Anaïs, qui est là. Voilà, Anaïs Wildock, merci à toi d'être là pour cette nouvelle année. En partenariat avec la librairie de science-fiction SILA, très bien, tu vas nous présenter trois livres auxquels tu as pensé en voyant ce film sur la matière noire. Oui, c'est l'histoire d'une arnaque. Je suis partie l'année dernière en faisant des adieux déchirants et puis en fait, je portais les couleurs de la librairie Caribbe et cette année, je porterai celle de la librairie SILA. C'est une autre aventure. Et la deuxième arnaque, c'est que j'étais pas prévenue que le premier film ce serait sur la matière noire et c'est chaud. Alors pour commencer, parce que je savais que Jean-Philippe serait là ce soir, je voulais parler de variations sur un même ciel. C'est pas exactement de la littérature, mais si quand même. C'est 25-26 scientifiques, j'ai noté les physiciens, astrophysiciens, historiens, philosophes, qui ont chacun sélectionné un texte en fait qui a été fondateur pour eux ou qui leur parle particulièrement. Et c'est des textes qui partent dans tous les sens. Il y a du Borges, il y a du Philippe-Joseph Farmer, il y a du Queneau, il y a du Stevenson, il y a du Cyrano de Bergerac, il y a du Einstein aussi, il y a la Bible. Et à chaque fois, la personne qui a choisi ce texte rajoute son commentaire et en quoi ça a éclairé ses travaux.
Et voilà, c'est assez magnifique, c'est à lire, pas forcément dans l'ordre, mais c'est une collection de textes, c'est à la fois scientifique, à la fois poétique, c'est extrêmement... J'ai pas vraiment de mots, j'ai vu, je sais pas si c'est toi qui le disais ou si c'est quelqu'un d'autre, ça s'appelle Variations sur un même ciel, et dans ces 25 ou 26 ciels, chacun peut y trouver le sien, et je trouve ça très beau comme façon de dire. Et ça me paraissait assez intéressant de le mettre en regard par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la science à un moment, il faut trouver les mots, et ce livre en apporte. Pour le deuxième... J'ai été chercher vraiment la matière noire dans la science-fiction. Et c'est une novella de Nancy Kress qui est publiée dans le recueil Danse aérienne qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est la même collection qui avait publié les nouvelles de Greg Egan, entre autres. Là, on est dans un équipage de 3 personnes, 2 scientifiques et une capitaine, qui est en mission extra-solaire pour aller étudier de près une anomalie dans quelque chose qu'ils ont constaté, il y a un truc qui ne va pas. Et pour aller au plus près du phénomène, ils se projettent, ils ont une projection d'eux-mêmes virtuelle qu'ils mettent dans une capsule qu'ils envoient là-bas. Donc on a l'équipe de 3 personnes et puis leurs doubles qui vont eux se rapprocher encore plus mais qui sont virtuels et qui sont destinés à pas à revenir en tout cas. Et il faut savoir que ces 3 personnes, c'est 2 scientifiques avec des égos pas compatibles. Ça met pas mal en regard aussi le côté compétition, émulation qui apparaît dans le film. Et c'est un triangle amoureux. Et on a 2 triangles amoureux, puisqu'il y a les doubles qui ne fonctionnent pas exactement de la même façon. 2 cocottes minutes sous pression. Et ce que j'ai trouvé assez passionnant dans ce bouquin, c'est vraiment la façon dont ce qu'ils découvrent, ce qu'ils analysent et les données qu'ils récoltent ont un impact direct sur qui ils vont être, comment ils vont se comporter et qui ils vont être. Et c'est assez passionnant comment l'humain et la science se mêlent, comment l'exploration, on va dire, des étoiles, enfin, et l'exploration scientifique se mêle à l'exploration de l'âme humaine, en quelque sorte, quoi. Le reste du recueil est hyper bien aussi, elle est beaucoup plus orientée, c'est la seule qui se passe dans l'espace, les autres nouvelles ont plus lien avec le transhumanisme, la bio-ingénierie. C'est hyper intéressant. C'est de la vraie bonne SF. Voilà, vraiment, ça vaut le détour. Et le dernier livre, mon chouchou, c'est plus de la science-fiction. C'est Alice est montée sur la table de Jonathan Lessem. Et là, c'est pareil. Je suis assez contente que vous ayez évoqué les questions de sociologie et de communauté de scientifiques. Parce que ça se passe sur un campus américain, une équipe de chercheurs a réussi à reproduire un Big Bang. Donc peut-être pas exactement... voilà, c'est de la littérature. On a le droit. Et ils ont recréé un morceau de néant voilà, au-dessus d'une table. Et Alice est une physicienne des particules, elle est fascinée par ce truc-là, mais vraiment fascinée, et puis ça devient une obsession. Et nous, on est dans la peau de Philippe, son conjoint, qui, lui, est un chercheur interdisciplinaire. C'est le mec qui a fait un mémoire qui s'appelle... Mon mémoire, 5 ans plus tôt, avait pour sujet « La théorie comme névrose chez le scientifique professionnel ». Et donc c'est cette personne-là qui voit ça et qui part dans une jalousie. Mais ce truc, c'est son rival. Et on est dans une histoire d'adultère entre voilà, un chercheur interdisciplinaire, une physicienne des particules et le néant. Et parce qu'on ne peut pas, depuis Lewis Carroll, s'appeler Alice sans que ce soit un hasard sans que ce soit autre chose qu'un hasard en littérature, c'est complètement déjanté. Il y a énormément d'autodérision. Il ne faut pas prendre le monde de la recherche des campus universitaires trop au sérieux. Tout le monde se projette sur ce morceau de néant. On découvre qu'il a des préférences. Il y a des particules qui passent et puis il y en a qui ne ressortent pas.
Et alors là, ça devient le truc, tout le monde va essayer de mettre des trucs dedans pour voir qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui reste. Il y a des espèces de listes incroyables de, à la Prévert, un peu d'objets qui restent dedans, qui ne ressortent jamais, on ne sait pas pourquoi. Et chaque corps scientifique, chaque domaine scientifique se projette complètement dans ce truc. C'est une page blanche et on peut poser les questions qu'on veut, on peut inventer les réponses qu'on veut. Le machin, voilà. Et voilà, je vous en dis pas plus, j'ai envie de vous raconter la fin, mais je vais pas le faire. Je vous en dis pas plus, c'est bon, second degré nécessaire, il y a énormément d'autodérision, c'est drôle, c'est piquant et un peu cruel pour le monde de la recherche quand même. C'est un petit monde qui est pétri de passions mesquines et en même temps d'obsession et en même temps de vraiment une vraie volonté de savoir, de connaître, d'avoir plus, quoi. Voilà, je vous le conseille vraiment beaucoup. J'ai aussi petit bonus pour ceux qui voudraient continuer la soirée, l'harmonie secrète de l'univers de Jean-Philippe Uzan qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est indispensable, qui réconcilie ou rassemble ou mélange musique et science. Et les nouveaux messagers du cosmos de Nathalie Palanque de La Bouille. Voilà, pour pouvoir poursuivre cette rencontre. Merci beaucoup Anaïs et merci à vous.